Vas-y. Bon. Je prends les questions que tu m'as données, hein. Vas-y, c'est nickel. Bon. Alors. Première question. Oui. Gino, êtes-vous garagiste à Bourguibu? Ginette, c'est pas une question, ça, c'est comme si tu me demandais si t'es femme de ménage. Ça va, hein, commence pas non plus. Bon, allez, tiens, bouge pas. Je vais prendre la position préférée du garagiste. Allez. Hop. Coulez sur la moulette. Fignon. Lulu, ça suffit. Oui, y'a rien dit. Vous pouvez peut-être nous expliquer où c'est Bourguibu. Ah oui. Alors, Bourguibu, c'est un petit patelin à côté de Caen. Caen, c'est dans le Calvados, c'est tout petit comme ça. Thomas, bon, Gino. À quel pas c'est comme ça chez moi. Troisième question. Garagiste et femme de ménage ne sont pas vos seuls métiers. Oh, c'est bien écrit, dis donc. Le week-end avec Ginette, on s'en va aller. Oh, mais faut pas dire ça. Ah bon? Tu vas enduire les gens d'erreur? Petit body. Correctement, avec la méthode au Gino. La mienne. La tienne. Oui, oui, la sienne, parce que l'autre, elle marchait pas, c'est comme ça qu'on a eu Ginette avec Simone. Il y a des réclamations? Viens, Lulu, passe-moi la clip 10. Oui, oui, bouge pas, mais... mon gamin, j'arrive. Mais non, mais... Attends, ça, faut que je pose ce truc-là. Bon, on peut continuer là? Oui, vas-y, enchaîne. Au niveau de vos acrobaties avec Ginette, il n'y a pas trop de risque de danger? Là, c'est le risque. Et là, c'est le danger! C'est pas pareil! Allez, le risque! Hop! Détends les jambes! Détends les bras! Monsieur, ça faisait mieux en fait, je dis. Bah oui, alors moi c'est Madame Ginette. Hein. Oui, non, bah, c'est Ginette. Tiens, Lulu, reprends la clip. Bonjour Ginette. Bonjour. Oh, mon bison. Attends. Tu vas mettre ton bison pour l'interview. Hein. Bah oui, mon bison rose d'Australie. Ça coûte assez cher. C'est parce que c'est très doux. Vous voulez toucher? Vous avez déjà touché du bison? Ginette, dépêche-toi! Oui, ça va! Tu peux toucher, c'est tout comme de l'autruche! Un petit peu en rose! Ça porte bonheur en Australie! C'est pareil de l'autre côté! C'est nickel! Allez, Ginette, on enchaîne! Vous faites du spectacle le week-end, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Ah oui! C'est pour. Pour arrondir! Pour arrondir, aide-moi, Ginette! Mais les deux bouts! Comme l'expression! Dans ce spectacle, il y a des numéros. Dans ces numéros, il y a de la jonglerie. Ça doit être joli. Ah bah oui, c'est joli. Bah c'est toi qui. Je veux dire, c'est Gino qui fait la jonglerie. Allez, hop. Décalé. C'est vrai que je me trouve pas mal. Mais moi aussi, je fais des numéros. Ah. Oui. Ginette, t'es intrigué? Oui, comme tout le monde. J'ai une deuxième figure. Ginette, t'as une deuxième figure? Oui. Ginette, la femme à deux têtes. Ça va? C'est toujours pareil des deux côtés? C'est nickel. Même de ce côté? C'est nickel. Le maquillage, il coule pas? Lulu, mais ça bouge, là! Bah si, ça bouge! Lulu!
Bon, tu radotes pas, c'est pour la télé. Non, non, ça va aller, t'inquiète pas. Alors, première question. Lulu, vous jouez du tambour. Ben, pourquoi tu me dis vous, c'est nouveau? Ben, c'est pour l'interview, ben. Ah bon, bon, ben, tu peux y aller, alors. Ben, réponds. À quoi donc? C'était quoi la question? Mais c'est toujours du tambour, Lulu. Je joue du tambour. Allez, hop. Hey. Bien sûr que je joue du tambour. Je suis même premier tambour à la fanfare de chant prévu. Ex, peut-être. Mais c'est pas avec le prix que vous me payez que vous allez vous plaindre non plus, hein. Oui, oui, Gino, tout au black, comme d'habitude. Ouais, en équipe, j'ai la topette. Ça me va aussi, ça va aussi, ça va aussi. Oui. Gino. Oui, 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 c'est la conférence. Mais Gino, mais c'est le matin, là. Ah, mais les liquides, parlons-en, hein. Parce que j'en vois la couleur. Puis il faut voir ce qu'il faut que je fasse pour avoir le moindre canon aussi, hein. Oui. Baisse la tête, Gino, tu en as la couleur. Hop. Ouais, allez, je le mets. Regarde ça, ma petite fille. Oh! Bah dis donc! Et puis ça. Mais non, Lulu, on n'y croit plus, là. Oh, ben, je suis coincé. Descends, n'importe... Non, oh! Aide-moi, Ginette. Mais c'est n'importe quoi, hein. Oh, je me suis coincé. Voilà.